Voilà, Sénégalais, Sénégalais, chers militants et sympathisants patriotiques, le PASTEF, les patriotes, la section communale de Dagana tient à faire ce point de presse en lieu et place de la marche prévue ce dimanche 25 juin et qui a été interdite par le préfet avançant des motifs fallacieux comme suit. Menace réelle de troubles à l'ordre public, entrave à la libre circulation des personnes et des biens. Pour qui connaît Dagana, et encore pour un dimanche, avancer de tels motifs relève d'un abus d'autorité et une volonté manifeste d'étouffer un bord politique. Par ailleurs, la section communale de PASTEF Dagana dénonce avec la dernière énergie la séquestration, bientôt un mois, de son leader, le président Ousmane Sonko, qui n'est victime que de son ambition à vouloir imprimer une nouvelle dynamique de développement à notre cher pays, le Sénégal. Le côté positif du dialogue national, ou plutôt deal national, est qu'il a permis de mettre lumière sur le système dont dénonçait depuis toujours le président Ousmane Sonko. Il est clair que le président Ousmane Sonko gêne plus d'un an. Au-delà juste d'un simple fait politique, nous constatons une haine viscérale du président Macky Sall et son régime envers le président Ousmane Sonko. Au lieu de répondre dans le terrain politique, le président Macky Sall choisit d'utiliser les moyens d'État pour l'opprimer et réprimer tous ses souteneurs. La section communale exige que lumière soit faite sur la trentaine de morts lors des manifestations, dont la plupart par barre réelle, et demande au gouvernement d'arrêter de faire dans le dilatoire et le mensonge. La dernière sortie des ministres de l'Intérieur et de la Justice en est une parfaite illustration. La section exige également la libération des centaines de détenus politiques et demande aussi réparation pour les blessés et torturés dans les lieux de détention. Le cas Pape Abdoulaye Touré en est un exemple patent. Il a été arrêté par des nervis, livré à la gendarmerie où il a été torturé et sort avec plusieurs fractures avant d'être photographié et vilipendé dans les réseaux sociaux. Ces actes devenus banals n'honorent guère notre gendarmerie. La section demande enfin aux forces de défense et de sécurité de rester républicaines, équidistantes des partis et d'arrêter de coopérer et d'opérer avec des nervis. La sortie maladroite de la police pour essayer d'apporter un démenti est une honte pour la République. Free Sénégal, vive PASTEF, vive le Sénégal, le combat patriotique continue. Focus 2024. Je vous remercie.